Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Gardez-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libérez-moi. Tends l'oreille vers moi et sauvez-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse, mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui de ma jeunesse. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurai beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurai beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurai beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurai beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurai beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées. Le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement ? Ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme,
j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et quelques minutes plus tard, à ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement pour le précipiter en bas. Chers amis, ce changement d'attitude des auditeurs de Jésus ne peut que nous interroger sur la légèreté du cœur de l'homme, passant de l'admiration à la haine en si peu de temps. Le chapitre 4 de l'épître de saint Jacques nous apporte cet éclairage. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Et c'est exactement cette attitude dénoncée par saint Jacques que nous retrouvons dans le cœur de l'auditoire de la synagogue de Nazareth. D'une certaine manière, pour les habitants de Nazareth, dont on disait d'ailleurs qu'ils ne pouvaient rien en sortir de bon, Jésus passe pour celui qui a réussi, qui a du succès et qui fait parler de lui. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Sa réputation le précède. Et cela finalement dérange, agace et provoque de la colère et de la jalousie.
Après tout, n'est-il pas resté près de 30 ans à Nazareth, sans opérer de miracles, sans prononcer de paroles prophétiques, et le voilà qui fait des choses extraordinaires en Galilée, chez les autres. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine, réclame-t-il. Cela nous rejoint, sans aucun doute, chers amis, dans notre propre vie. Nous sommes nous-mêmes parfois prisonniers de nos sentiments et de nos ressentiments devant tel événement, telle contrariété ou telle parole reçue. Lorsqu'une parole nous a blessés, lorsqu'une attitude a pu nous contrarier, souvent nous ressassons, nous ruminons. Nous faisons fonctionner le petit cinéma intérieur qui fait naître en nous la mauvaise humeur, la rancœur et parfois le découragement. Et cela nous enferme, nous isole, nous fait mal, allant parfois jusqu'à susciter de la violence vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Alors commence à se développer en nous ces pensées si bien décrites par saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Il nous est bon, chers amis, de regarder le Christ. Comme l'écrivait le bienheureux et futur saint Charles de Foucault, en toute occasion, se demander ce que ferait le Christ, et alors le faire. Et aujourd'hui, le Christ nous enseigne une belle manière dans cette page d'évangile. La dernière phrase, en effet, est riche de sens. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Face à la violence qui s'exprime, le Christ ne s'emporte pas. Devant l'incompréhension des gens et leurs propos accusateurs, le Christ n'entretient pas de rancune. Il supporte tout, il endure tout, comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Son cœur n'est pas replié sur lui-même, comme les gens de la synagogue. Il n'est pas centré sur lui. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui faire notre propre bilan de santé en reprenant notre seconde lecture, l'hymne à la charité. Voilà, cela va nous changer des autotests. Hein. Prenons la seconde lecture et méditons-la. L'amour prend patience. Où en est mon niveau de patience? Là, si je devais me donner une note entre 1 et 10, où en est ma patience envers moi-même, envers les autres, envers l'actualité, etc. L'amour rend service, idem. Où en est mon niveau de bonté? Dans mes paroles, dans mes gestes. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Où en est ma recherche du bien commun? Oui, quelle note je me donne? Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Où en est ma recherche de la vérité, sincèrement, au quotidien, etc. Prenons le temps, voilà, de méditer cet hymne à la charité. La charité à la suite du Christ nous oblige à adopter le comportement de Jésus. Et dans un monde qui semble envahi par la haine, l'amertume et la colère, adoptons l'attitude de Jésus. Passons au milieu d'eux, poursuivons notre chemin, et ainsi nous rendons témoignage au Christ. Ne tombons pas dans le piège du démon, de l'amertume, de la colère et de la haine. Chers amis, nous sommes chrétiens, disciples du Christ. Alors, je conclus avec cette prière de saint François de Sales. Je vous invite à la faire vôtre. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. » Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit,
descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Quand j'aurai le don de la science et connaîtrai tous les mystères, parlerai-je les langues des anges? Sans amour, je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera, l'amour. La charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Si je donnais mes biens au monde, si je livrais mon corps aux flammes, si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.